aucun indice n'était connu. Nous avons retrouvé depuis que les Gaulois et les Romains avaient exploité, et même largement exploité, certaines zones de gisements que nous exploitons aujourd'hui. Mais ceci s'était complètement perdu dans la tradition, et il ne restait absolument aucune trace orale ou écrite d'un gisement d'étain dans la région de Cernant. Nous avons procédé systématiquement en faisant des recherches dans les petites rivières de toute la région, et à l'aide de la bêtée. Et nous avons localisé ainsi une zone minéralisée en étain qui s'étend pratiquement depuis Plouarzel jusqu'à Lannion en passant par Morlaix. Après avoir défini ces zones intéressantes, comment avez-vous déterminé le gisement lui-même ? Pour qu'un gisement soit exploitable, il faut d'une part que le minerai ait une teneur suffisante, ensuite qu'il y ait des volumes ou des tonnages assez importants pour permettre des amortissements. Il s'agissait donc de trouver dans la région des réserves de sable, des gisements alluvionnaires suffisamment importants pour retenir notre attention. Le gisement de Cernant en était un, et nous avons aussitôt commencé à faire ici des sondages à la banca. La banca est un instrument très ancien, utilisé particulièrement en Indonésie, et son nom vient de là. La banca nous permet de forer jusqu'à 10 mètres de profondeur et de prélever très régulièrement des couches, dans toutes les couches, des échantillons très représentatifs. Quel est le processus d'exploitation du minerai ? La présence d'énormément d'eau dans les terrains que nous exploitons nous a conduit à utiliser une drague flottante. Cette drague flottante est essentiellement une pompe entraînée par un moteur de 1000 chevaux et un désagrégateur qui découpe le terrain. La pompe aspire le terrain en même temps que de l'eau et le refoule tout de suite à une distance de 800 mètres. La drague enlève à peu près quotidiennement 5000 tonnes de matériaux. Ces matériaux contiennent 1,5 tonne d'étain, 500 tonnes de cailloux et gravier, 1500 tonnes de boue et 3000 tonnes de sable. Le premier stade va consister à un criblage. Nous avons constaté en effet, comme les anciens l'avaient d'ailleurs fait, nous retrouvons les traces de leur tas de gravier dans les vestiges d'exploitation romaine, nous criblons à une maille qui nous permet d'éliminer tout ce qui est plus gros que 8 mm. Dès maintenant, nous n'avons plus à refouler que du sable fin et de l'eau sur une distance de 1400 mètres. Le transport s'effectue encore ici par pompage, par trois relais en série de 200 chevaux chacun. Nous arrivons tout de suite à la laverie où, successivement, nous allons éliminer, non plus du tout par criblage, mais en utilisant la gravité, en utilisant la différence de densité entre le sable, densité 2, et le minerai d'étain, densité 6, nous allons donc éliminer la totalité des sables. En même temps, nous éliminons les boues par cyclonnage, et nous nous retrouvons donc, d'une part, avec l'étain sortant ici sous forme d'une cassitérite humide et encore impure, nous verrons tout à l'heure de quoi, et des sables et des boues qui sont récoltés par des roues à sable et stockés, puis reprises ultérieurement pour être lavées et vendues comme sable à béton. Enfin, les argiles s'en vont vers des bassins de décantation où elles se déposent, et les eaux ainsi allégées retournent à la drague de façon que nous tournions en circuit fermé et que nous salissions plus, que nous ne polluions plus l'eau de la rivière. À ce stade-là, quelles sont encore les impuretés que contient le minerai ? Le minerai contient un peu d'impuretés, il contient encore des impuretés magnétiques, essentiellement l'usure de nos pompes, de nos tuyaux, de tous les appareils successivement parcourus par l'ensemble des matériaux. Et enfin, quelques minerais également magnétiques, l'ilménite qui est un minerai de fer et de titane sans valeur. De toute façon, à la fin du travail, le produit que nous sortons titre 74 à 75% d'étain, ce qui est un oxyde d'étain à peu près parfaitement pur. C'est sous cette forme que nous commercialisons. Vous
Secondly, quel est l'effectif total de l'exploitation? L'effectif total est de 145 personnes, dont 5 ingénieurs et 25 cadres, techniciens et employés. L'entretien, je crois, joue un rôle important dans votre exploitation. L'entretien joue un rôle très important puisque l'effectif du service entretien représente 20% et l'entretien lui-même intervient pour 20% dans le prix de revient. Pour quelle raison? Deux raisons. D'une part, la marche de 24 heures sur 24 que nous employons et deuxièmement, l'usure et l'abrasion des matériaux. Un exemple d'usure, un corps de pont perd une tonne de métal en deux mois. Les couteaux du désagrégateur sont changés tous les 120 heures et les tuyaux que vous voyez ici sont remplacés tous les ans après une rotation en quatre positions. Ce tas de sable représente donc 6 années d'exploitation. Exactement. Vous avez là 2 500 000 tonnes. Depuis 6 ans, nous avons traité 7 500 000 tonnes d'alluvions, produit 2 500 tonnes d'étain. Nous sommes les seuls producteurs français. Nous sommes au premier rang des producteurs européens. Après ces 6 années d'exploitation, quelles conclusions peut-on tirer? Et dans l'avenir, quelles sont les perspectives de votre société? Oui, nous avons commencé sans rien savoir et tout seul. Nous avons derrière nous maintenant 6 années d'expérience, des moyens financiers certains, et des objectifs en recherche, particulièrement en Bretagne.